On a passé la journée à Athènes à faire que des rendez-vous un peu nuls, vétérinaire, le roi Merlin, les trucs comme ça. Et là, on va embarquer pour la Crète. C'est la première fois qu'on met le camion sur un ferry, donc on est un peu stressé pour être honnête. Et 9h, 9h de ferry, on arrive demain matin à 6h en Crète. Le bateau a l'air énorme. Bien arrivé en Crète, donc on a passé la nuit dans le camion qui était dans la cale du bateau, et ça franchement j'avoue que c'était un gros luxe parce qu'on n'a pas eu besoin de prendre de cabine, les chiens étaient en territoire connu donc ils étaient sereins, très calmes, il n'y a pas eu d'accident, trop bien. Nuit courte mais nuit confortable. Ouais, en plus le bateau nous a bien bercé parce qu'il y avait des petites vagues. Par contre aujourd'hui, petite tempête en préparation, donc matinée machine. Ouais, on n'est pas arrivé avec le beau temps. Ouais, c'était pas la folie. Donc on se réconforte comme on peut en prenant des petites viennoiseries crétoises, petite spécialité. Je sais pas ce que ça donne parce que c'est au fromage et à la cannelle en même temps. Sucré, salé, on sait pas trop. C'est des Kalitsounia Kritis. Voilà. Kalitsounia, bah très bien. Et on sait pas ce que ça vaut donc. Tiens. Ça a l'air épais hein, par contre. Ouais, ça a l'air assez lourd. Bon, et ben on va se régaler tranquillement et puis demain, quand il fera meilleur, Knossos! Deuxième jour en Crète, après cette traversée un petit peu fatigante, on doit l'avouer, on a pris une journée un peu nulle où on a fait les machines, on s'est posé, on s'est un peu reposé honnêtement. Et là on a enchaîné, on est juste à côté d'Héraclion, on est au palais de Knossos, pour le plus grand plaisir de Guillaume qui adore se projeter. Ça a l'air d'être un endroit quand même assez sympa. Après Knossos hier, on a été dormir dans un petit coin qui s'appelle Achanès. Et il n'y a pas de doute, on est bien en Crète, il y a des oliviers absolument partout. Du coup, cet après-midi, on va aller faire un petit tour dans un moulin à huile pour refaire le stock. Et je pense qu'on va partir avec 3 ou 5 litres. Même s'il n'y a pas beaucoup de place dans le van, il y a moyen qu'on reparte avec un petit peu de stock. Ce petit moulin c'était franchement sympa, on a refait le plein d'huile mais alors d'une qualité incroyable. Et puis pour dire à quel point il blague pas avec l'huile d'olive, il le présente dans des flacons, ce ne sont même pas des bouteilles messieurs dames, on dirait du parfum. Mais par contre c'est un délire à quel point c'est bon. Et du coup on va se régaler en Crète, on repart avec au moins 3 litres. Bienvenue à Rétiel-Non avec un vent de malade mental.
plein de jolies fontaines. Et les travaux. Et des bouteilles qui traînent. Et un camion. Limite, on se demande qui a fumé la fontaine. Hein. Et la douce ambiance sonore autour. Ça, c'est parfait. Il y a des travaux à peu près dans une maison sur deux. Vraiment, le hors-saison en Grèce, c'est... Machallah. Tout est fermé et ouais. Tout est en travaux. Nous sommes en Grèce, mais je pense d'ordre et de besoin national de goûter toutes les spécialités, à savoir du vin pas bon et de la pita. Et là, on a trouvé un restaurant végétarien pour notre plus grand bonheur, donc let's go. Je fais les présentations du coup, ceci est un pita à l'alumi. Le petit fromage qui grille comme il faut, mais qui ne fond pas. On va reprendre une portion de french fries, c'est incroyable. C'est les premières french fries bonnes qu'on mange depuis la nuit des temps. Hein. Bon, après une bien jolie visite de Rétimnon, on a dormi au pied d'un château qui était incroyable. Bon, entre temps, on a fait quand même deux villages qui étaient un peu en fail. Mais là, nous voilà arrivés à la Canée. Et tout le monde en parle comme d'une ville incroyable en Crète, donc on va se balader dans la vieille ville et dans le port vénitien. Et à mon avis, on devrait se régaler, parce que ça a l'air d'être des ruelles très 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 mignonnes. Ah, les routes de Crète. Un bonheur. Ouh, on a plus trop là, ça va être... Ça va être coton, se dira lui. Ça va être pente surtout. Non, non, Hermione, reste là-haut. Oh là là, c'est pas le moment, mon cher. Allez, on perd pas l'adhérence. On y va, on y roule. Pourvu qu'il n'y ait pas de branche basse. Non, mais qui a besoin d'un 4x4 quand on a au primat, s'il vous plaît. C'est toujours plus de trous, toujours plus de pentes, toujours plus de cailloux. Moi, je me dis que c'est le truc qui peut décevoir la vie. C'est quand même beau à quel point lui. Ça va mon cœur, la première piste là? Je conduis un trop grand pile. Bon, c'est vraiment pas moche, mais on est quand même loin, loin, loin des images qu'on avait vues. Mais ça, c'est complètement de notre faute, parce qu'on est venu trop tard et du coup, il n'y a pas de soleil. Enfin, le soleil est en train de se coucher, quoi, donc c'est normal que l'eau ne soit pas turquoise. Bon, bah, elle est quand même. Moi, je te trouve sévère, hein. C'est quand même vachement beau. C'est très beau. Notez cette vue sur 10, bon sang. Bon, là, il fait sombre, mais tout à l'heure, on a eu un beau coucher de soleil. Bon, il fait bien nuit, ce soir il n'y a pas de nuages, on va pouvoir faire des jolies photos d'étoiles. Pour ça il n'y a pas besoin de grand chose, l'appareil est d'un bon trépied. Celui-là il est super léger, il est en fibre de carbone, du coup il est même pas froid pendant la nuit, ça c'est super agréable. C'est KIF qui fait ça et franchement on en est ravis. S'il y a besoin de plus d'infos, je mets tout en description, d'ailleurs il y a une petite surprise aussi pour vous. Du coup on va pouvoir aller faire les photos d'étoiles, dont une circa polaire qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Une circa polaire, si tu sais pas ce que c'est très simple. On vise l'étoile polaire et vu que c'est la seule du ciel qui ne bouge pas pendant la nuit, et bien du coup, si on reste très longtemps, il va y avoir l'étoile polaire qui va rester fixe et toutes les autres étoiles qui vont tourner autour. Tu vas voir ça tout de suite. Nous voilà en direction de Elafonisi Beach. Nous voilà en direction de Elafonisi Beach. Ça fait du bien de sortir, même si je dois vous avouer que ce petit spot qu'on a trouvé était incroyable. Au milieu des brebis, on a profité pour regarder Star Wars et manger des cinnamon rolls.
fait un petit point carte pour qu'on se rende un peu plus compte de où on était. On est descendu tout à l'ouest, sud-ouest de la Crète. On était au niveau de Elafonis Beach. C'était vraiment très sympa. Maintenant, on est parti très loin, honnêtement. Et là, on doit faire 3 heures de route pour rejoindre l'autre point d'intérêt. Aussi là où il y a nos copains de Lost Inland, Marine et Tylan qui nous attendent. Mais en fait, il n'y a pas de route sur le bas de la Crète dans le sud. Enfin, elles sont bloquées par des gorges. Des gorges qu'on ne peut pas aller visiter, on ne peut pas aller voir parce qu'un hiver, elles sont complètement remplies d'eau. C'est pas possible. Pour notre plus grand malheur, parce qu'on aurait adoré les remonter en randonnée. Par 3 heures de route, un sacré détour avant d'y arriver. Mais ça va être cool parce que ça a l'air d'être la plus belle partie de la Crète. Donc, en route! 2 hours later. Et nous voilà au lac aux tortues. Bon, évidemment, il n'y a pas une seule tortue parce qu'on est en hiver. Par contre, il y a des oies. On les a entendues toute la night. Bonjour. On a trouvé un nouvel habitant dans la villa. À quel point c'est improbable. Ça c'est la Grèce, ça, messieurs dames. Attendez pour la petite histoire, parce qu'en vrai c'est un peu triste. On l'a trouvé tout seul et il était tombé et il était bloqué au niveau de la patte dans un champ. Du coup on peut pas le laisser comme ça. Du coup là on se retrouve avec un mouton dans le van. Je pensais jamais dire cette situation. Mais il est tout petit et là on va essayer de retrouver son propriétaire, au moins le fermier, parce qu'on peut pas le laisser comme ça. On est arrivé dans le village, on a trouvé une taverne, les gens connaissent le propriétaire, ils ont appelé le propriétaire vient le chercher, ben, va retrouver sa maman. Et ça c'est pas nouvelle, mais regardez comme il est mimi quand même. Regardez qui c'est qui nous a rejoint à l'hôtel abandonné parmi les cochons. Putain, la taille du bazar. C'est de l'urbex comme never. Bon, on était parti à la base pour faire un urbex dans un hôtel abandonné. Et ça avait l'air trop cool parce qu'il y a piscine et tout, c'est génial. Sauf que c'est devenu une nouvelle porcherie. Et il y a tellement de porcs au mètre carré qui se battent, qui font des bruits. C'est pas rassurant. Et il y a plein de bébés. On a peur que les mamans, elles nous attaquent. Donc on va peut-être pas faire ça. C'est grave stylé, mais je pense pas qu'on va explorer comme on aurait pu explorer, quoi. Caca culotte là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci dit, c'est quand même assez mignon, même si c'est super étroit. Hein. Là, ouais. Pourquoi ils mettent pas. Regardez à quel point c'est narrowed. Oh my goodness. Le mur est beaucoup trop proche. Putain, elle a une coupe de lisse. Il est drôle. On est tout juste en train d'arriver à Matala Beach. Matala Beach qui est une plage qui est juste au sud de Héraklion. Donc c'est bien, ça coupe pile poil la Crète en deux. Là on vient de finir tout l'ouest de l'île. On se dit du coup rendez-vous dans 15 jours sur la suite de ce voyage. On espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, laisser un petit commentaire. Le soutien fait toujours plaisir. Et on se dit à dans 15 jours. Salut.